Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et débriefing du match Olympique Lyonnais face à, enfin on va dire Nantes face à Lyon. Et c'était un match, comme vous avez vu, nul hein. Pour moi. Je vous donne juste mon avis. Je donne mon avis à ce match, c'est que c'était clair et précis, c'était nul. Pour moi, ce que j'ai retenu dans ce match, c'est que bon, Loris il a fait, Lopez, le gardien lyonnais, a fait son match parce qu'il a fait la parade qu'il fallait faire, il a fait les arrêts qu'il fallait faire au moment. Il s'est appliqué, il a fait son taf. Et Paqueta, c'est un Brésilien qui est top, au top. Il donne tout ce qu'il peut donner. Toute sa qualité, toute sa performance de footballeur, il a donné. Après, les autres, ils peuvent donner plus aussi. Ils pouvaient même aider, serait-ce que marquer un ou deux buts. Là, il y avait la place pour le faire. Mais bon, je ne vais pas citer des joueurs, chacun joueur. Dans l'ensemble de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il manque de la motivation et il manque de la qualité, et surtout toujours la qualité. Et il manque de la confiance, il n'y a pas de confiance. On est là, on marque juste un but, c'est comme si on avait pris un but. C'est comme si on a marqué. Lyon a marqué face à Paqueta. Un but de qualité pour moi, un amorti poitrine, tranquille, il tire et tout. En fait, pour moi, c'est Paqueta qui a mis le but. Pour moi. Même si le gardien l'a stoppé, a stoppé le ballon qu'il a relâché en fait. Et puis, il a relâché. Il a mis un point et puis on voit Dembélé qui vient et qui marque. Pour moi, c'est Paqueta qui l'a mis, même si le but est. Accordé à Dembélé, parce que c'est Paqueta qui a fait tout le taf, qui tire, le gardien il la relâche et puis Dembélé il marque. Mais franchement ce match, franchement pour moi il est nul, mais franchement c'est un match comme ça, quand vous voyez que ça commence comme ça, c'est même pas la peine de regarder, ça sert à rien. Il manque de confiance, Lyon a un manque de confiance, ils ont les qualités, ils ont ce qu'il faut, mais ils ont un manque de confiance et d'y aller et tout. Ils veulent toujours faire le tour avec le ballon. Allez-y, rentrez dedans, allez, c'est parti. Bon, après, je suis content. On a acheté ce joueur, Sakiri. Sakiri est maintenant là. Maintenant que Sakiri est là, on va voir ce que ça va donner. Puisque là, il n'a pas joué. Il a observé lui-même le jeu lyonnais, comment ça se passe. Bon, il va voir maintenant sur le terrain. Bientôt, il va jouer son premier match. Et j'aimerais bien quand même l'arrivée de David Neres. Franchement, alors on est en pleine négociation avec David Neres, il ne peut pas lâcher l'affaire. C'est dur, hein, c'est dur. Il leur faut l'argent, il leur faut ça, il leur faut ça. Mais je pense que David Neres est mort, il va pas venir. Mais bon, j'y crois toujours un petit peu, mais je pense que David Neres... faut que Juninho il lâche l'affaire. Hein. Mais bon, ça se trouve, je dis une surprise, peut-être que ça va être la surprise. David Neres va venir, on n'est pas encore le 30 du mois de août. Alors on peut toujours y croire, mais je pense que David Neres... Il y a peu de chances qu'aujourd'hui David Neres signe à l'Olympique Lyonnais. Après les autres joueurs, moi, tu vas me dire, bon, c'est des joueurs, mais bon, moi ce que je voulais, c'est un David Neres avec Sakiri, ça aurait été le top. Mais bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Et puis voilà, ce match, il était. Pour moi, j'ai pas trop à parler de ce match parce qu'il était nul. Je me suis endormi dans ce match. Lyon a gagné 1-0, mais bon, c'était un match très très nul. Ils auront pu marquer plus de buts. Après on va jouer contre Strasbourg et Strasbourg on laisse tomber. Je ne parle pas parce que ça se trouve on va perdre là, contre Strasbourg. Ça. Si nous, tous les équipes voient comment Lyon est mal, donc je pense que ça va être un match très difficile pour Strasbourg. Après je suis content, il y a la Coupe Europa League qui commence, mais bon. Certes les équipes sont, on va dire, moyens. Ils sont moyens. Donc, toute équipe peut battre Lyon, alors moi je peux pas commencer à dire ah, eux ils sont nuls, eux ils sont machin, non, non. Je ne dis pas ça. Je dis on va jouer contre des équipes en Europa League, mais on va voir ce qui va se passer. Peut-être on va se faire sauter, ou peut-être qu'il va y avoir que des matchs nuls, je sais pas. Mais bon, c'est déjà bien qu'il y a Sakiri qui est arrivé, qui va pouvoir jouer. S'il enchaîne les buts, ce sera bien. Pardon, qu'il enchaîne les buts, parce que là, on a trop besoin. Lyon est en pleine souffrance. Hein. Allez, salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi, je vais aller dormir, parce que ce match-là, il m'a fatigué. D'ailleurs, même pour vous dire, j'étais en train de voir si j'allais vous présenter mon nouveau maillot.
Alors, c'est pas un maillot de Paris, c'est un maillot de Lyon, un maillot exceptionnel, mais je vous le montre dans une des prochaines vidéos, quand Lyon ira mieux. Quand au moins ils seront peut-être 4e ou 5e du championnat de France, je vous montre ce maillot. Mais pour le moment, non. Je n'ai pas envie de dévoiler mon maillot avant que Lyon soit bien. Allez, salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi, je vais pas.